Lise, bienvenue sur Envie de Lady Di. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très très bien, super, tout se passe très très bien. J'espère vraiment que de votre côté aussi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez rapide, une revue concernant la wig que je porte sur ma tête, donc ma gray hair, donc les cheveux gris, du site divaswig.com. Donc c'est la deuxième fois que le site m'envoie une wig, et pour la deuxième fois je me suis dit, écoute Dalia, fais-toi plaisir, teste un truc de dingue, voilà. Le noir c'est bon, on met ça de côté pour l'instant, c'est l'été, on en profite, on s'amuse avec nos cheveux, même si ce n'est pas vraiment les miens, ok. Mais tant que c'est sur ma tête, c'est à moi, ok, ça m'appartient. Donc la référence de la wig sur le site c'est SC012, je porte des Indian Virgin Hair. 100% Virgin Hair, c'est du 12 pouces. Donc la première chose que j'ai remarqué quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai touché les mèches, je me suis dit, après le travail qu'il y a eu dessus, les mèches restent quand même plutôt fluides, vous voyez. Ça prouve que les mèches sont d'une qualité supérieure. Le gris est très bien fait. J'ai l'impression parfois de voir des reflets argentés, des reflets violets. C'est super sympa. Vous avez le choix sur la cape, parce que celle-ci c'est une glueless. J'ai pris une glueless wig cap, donc c'est celle que je peux coller tout au long de la tête, enfin tout autour de la tête, je peux la coller. Et c'est pour ça que ça me donne ce résultat-là que j'aime bien. Ouais, le résultat que ça donne. J'ai juste découpé la tulle qu'il y avait à l'avant. Je peux très bien l'attacher, vous voyez, sans même coller, donc je trouve ça plutôt sympa. J'ai tout simplement travaillé la raie. De toute façon, j'ai une vidéo où je vous explique comment créer une raie. Je vous la mets dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir et savoir comment j'ai fait cette raie. La texture des mèches est des silky stretch. Donc, en gros, ce sont des mèches lisses. Donc, la couleur de la lisse, c'est light brown. Et puis, la taille de la perruque, donc la cape, c'est la petite. Donc je prends tout le temps petite, moi, parce que j'ai une petite tête déjà. Petite pour éviter que ça baille, vous voyez, au niveau d'ici. Pour ça. Et même pour l'instant, j'ai pas encore mis la bande. Donc quand je vais mettre la bande, ce sera encore plus serré. Et c'est beaucoup mieux pour moi. Le volume, je trouve que c'est pile poil pour ce type de coiffure. Déjà que c'est coloré, que je me vois personnellement pas avec un gros volume, avec ce type de couleur-là. Et je trouve que comme ça, c'est très bien, ça me plaît énormément. Sinon, je n'ai rien fait d'autre. Je ne l'ai pas coupé. Je l'ai tout simplement lissé rapidement. J'ai fait une petite natte là, histoire d'habiller un peu la coiffure. Ça va bien avec le collet années 90. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite natte comme ça. J'ai reçu la wig en 2 semaines et demie à peu près. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Le temps de livraison n'est pas excessif. C'est pas hyper long. En même temps, ça vient des States. Donc, voilà. Et puis, c'est des wigs qu'ils vous fabriquent justement lorsque vous commandez. C'est des wigs qui sont fabriqués selon vos goûts. Si vous avez envie d'originalité, vous vous dites, allez, c'est bon, je vais faire une coupe de dingue. Essayez le gris, les filles. Essayez le gris. J'aime bien cette couleur parce que je trouve que ça se marie très bien avec le style un peu dark. Je porte du gray maintenant, du gris. Hey, vraiment. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Si je passe par le gris, c'est que j'aurais plus peur de porter d'autres couleurs. Ouais, est-ce que je veux dire? Quoi vous dire de plus, à part que je ne regrette pas d'avoir choisi cette wig. Je ne regrette pas du tout. Je suis très contente d'avoir choisi cette wig pour pouvoir la tester. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine vidéo. Peace! Bye bye!